C'était à la demande du chef de l'État que les sénateurs avaient suspendu leur congé parlementaire pour se retrouver en session extraordinaire, la deuxième de cette législature. À cette fin, ils ont eu 11 jours pour examiner et adopter 5 affaires suivantes. Le contrat de partage de production du permis d'exploitation Ngoki 2, objet de l'affaire numéro 1. Le contrat de partage de production du permis d'exploitation Nzachi 3, objet de l'affaire numéro 2, et le contrat de partage de production du permis d'exploitation Luango 3, objet de l'affaire numéro 3. Satisfait des résultats obtenus, le président du Sénat Pierre Ngolo s'attend à un impact positif sur les populations. Allusion faite aux affaires liées aux hydrocarbures. Nous avons, avec célérité et minutie, traiter les 5 affaires portées à notre table. Pour l'étape, on peut clamer mission accomplie. Très bien accomplie. Notre mission, qui ne se ramène pas au seul vote des lois, recouvre toute son envergure lorsque, se prolongeant par le suivi permanent et rigoureux de l'action de l'exécutif, elle se pose en facteur d'incitation à l'effort pour l'élévation de la cité. Monsieur le ministre, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, nous attendons que les contrats de partage de production que nous venons de voter contribuent significativement à renforcer la capacité d'action du gouvernement pour l'amélioration constante du quotidien des citoyens. Selon le calendrier du Parlement, la prochaine session ordinaire administrative sera ouverte le 1er juin de cette année.